J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je fais un haul de chez Primark. Je porte mes petits bijoux Aura Création, donc petite paire de boucles d'oreilles donc avec des nœuds, une estampe rouge, une estampe dorée, un petit nœud noir et un petit pompon fuchsia, tout ça sur du métal argenté noir. J'ai eu plusieurs questions de filles qui m'ont demandé mais les boucles d'oreilles que tu portes, c'est celles que tu vends? Oui, c'est celles que je vends, c'est exactement ça. Sauf que comme je les porte et que je ne suis pas une grosse dégueulasse, je change systématiquement les crochets d'oreilles, sécurité et hygiène avant tout. Jusqu'à présent, mes clientes ne se sont pas plaintes. Donc voilà, je réponds enfin à cette question parce que ça fait plusieurs fois qu'on me la pose. Je suis pas la seule à pratiquer ce genre de truc, tout le monde le fait quoi. Moi, quand j'achète quelque chose, je préfère le voir porter. Donc je le porte et après je change systématiquement les crochets d'oreilles. J'ai refait des petites boucles d'oreilles coquillage. Pourquoi tu t'es emmêlé dedans là? Oh là là, un peu du même modèle que j'avais fait la dernière fois lors de ma vidéo DIY. Ah enfin quand même. J'ai refait donc ce petit modèle avec des petites fleurs. Je vous en montre une avec des petites fleurs. Je trouve très sympa. Celui-là, il est très très joli, j'ai encore plein de coquillages, il faut que je les fasse parce qu'après arriver à la rentrée, bah, plus personne n'a envie d'acheter des coquillages. Et j'ai fait celui-ci, le modèle zèbre, qui est aussi très sympa, donc j'ai deux paires de chaque que je vais mettre sur la boutique, premier arrivé, premier servi, après je ne pourrai pas en refaire d'autres. J'ai fait celui-ci, le petit bracelet perle argentée. Et là, il faut que je trouve le système parce que j'ai mis un fil qui n'est pas terrible, donc du coup les perles se plient. Le bracelet, donc coquillage noir et blanc, qui est aussi très joli. Des petites bagues, celle-là, la rose, que j'aime beaucoup. J'en avais de disponibles, j'en ai déjà vendu une. Celle-ci avec le gros arbre rose, pareil, toujours bague réglable. Ces deux-là, or rose, arbre bleu, pareil réglable. Et celle-ci, l'effet bois, que j'aime énormément. Et pour finir, parce que, comme vous savez, j'étais en vacances, donc j'ai eu le temps de faire pas mal de petits bijoux. J'ai fait celui-ci, donc avec un petit cabochon marbre collé, un petit pompon gris. Toujours chaîne d'extension, je vais vous mettre le lien de ma boutique en barre d'informations. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous avez une quelconque demande de personnalisation, vous m'envoyez un message. Soit sur Instagram, je vous mets pareil le lien en barre d'infos, soit sur la boutique Etsy. Ne me mettez pas de message sur Facebook parce que je vais rarement sur Facebook. C'est une application qui me gave, j'y suis vraiment juste que pour publier mes photos de bijoux puis mettre des stories de temps en temps. Et encore mes stories sur ma page Addictemi, elles se publient directement d'Instagram à Facebook. Donc j'y vais quasiment pas. Donc ne me mettez pas de message sur Facebook parce qu'il y a une chance sur deux pour que je ne le vois pas. Tu vois là? Ça, c'est quand j'étais à Primark, j'ai chopé une conjonctivite ou je sais pas ce que c'est, mais je n'ose rien mettre dessus. Je porte sur les lèvres des produits qui m'ont été envoyés gratuitement par MAC. Autant vous dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre des photos parce que j'adore le rouge. Je trouve que c'est une couleur qui me va très bien et c'est une couleur qui est intemporelle. Quoi. Coco Chanel ne portait que du rouge, soi-disant, et Marilyn Monroe aussi. Donc, c'est un petit combo de deux produits. Donc, c'est un crayon à lèvres couleur cherry et un petit rétro mat liquide lip color, donc une laque à lèvres feels so grand. Et quand je les ai vus sur le store d'Octoly, je me suis dit que le combi des deux serait assez sympathique. Je vous montre tout de suite. Alors je suis une quiche en application de crayon à lèvres, étant donné que je ne m'en applique quasiment jamais. Moi je passe directement au rouge à lèvres. Donc celui-là, il est très sympa, il est très crémeux, il marque très très vite. Donc vous avez intérêt à pas vous rater, parce que si vous vous ratez, et là encore là, je crois que j'ai plus large d'un côté que de l'autre. Si vous vous ratez, bah, ça mord, après il faut tout effacer. Et j'aime beaucoup cette idée de lac à lèvres un peu rétro, voilà, ça se présente comme ça. Alors c'est pareil, très intense, hein, mais vraiment très très intense. Voilà. Donc le combi des deux. Ça donne ça. Donc je vous mets le lien de ce petit produit en barre d'information. Vous connaissez mon amour pour les produits MAC. J'aime beaucoup ces produits-là. Ils ne sont pas donnés, mais c'est vrai qu'ils sont d'excellente qualité. Donc je vous mets tous les liens de ces petits produits en barre d'information. Et on passe tout de suite à mon haul Primark. Donc Primark. Moi j'aime bien dire Primark avec l'accent un peu anglais. Et encore, je ne sais pas comment on le dit les anglais. Et je vous montrerai trois petites bricoles qu'on a pris du magasin Ikea. Parce qu'on était à Ikea de Hénin-Beaumont en fait. On a réussi à faire tout heure à Lille le matin. Donc l'après-midi, il me fallait une petite commode de métal pour mettre dans la chambre de Cilliane. Et donc on est passé à Ikea. Et là, autant vous dire que je vais y retourner parce que j'ai kiffé grave ce magasin. On y va, je vous fais tout dans le désordre. J'ai pris pour chaîne, donc quand il y a les prix dessus, je vous le mets, hein, les prix dessus. Donc un petit t-shirt comme ceci, on l'a payé 6 €, donc en 9, 10 ans, New York City. Donc ça c'est bien, en fait j'y suis allée aussi beaucoup pour faire, vous savez, les affaires de rentrée pour les petits.
Pour Cylian, j'ai pris ce joli petit t-shirt. Vous connaissez mon amour de Marvel et surtout des Avengers. Je les adore. Donc, on me l'a déjà demandé. Je le répète, mon Avenger préféré, c'est Iron Man. Et évidemment, j'aime beaucoup Robert Downey Jr. aussi. Sur un malentendu, je pourrais facilement quitter mon mari pour 3-4 ans. Jeanne s'est pris un petit casque. Bon, bah, il n'y a plus. C'est un petit casque stéréo couleur. Rose gold je crois, ou un peu taupe, bon, 6 euros, ça faisait longtemps qu'il me gavait pour avoir un petit casque. On lui a pris un jogging, ah non ça c'est chez, bon bah je vous le montre, ça c'est un de chez Zara que j'ai, bon, on a été à Zara à côté, il fallait un petit jogging, donc je vous le montre direct, enfin voilà, inclusivement dans le hall. Donc Zara, on a payé 14,95 €, c'est un petit jogging couleur militaire. Comme vous savez, qu'il aime beaucoup le vert. Hop, on le pose sur les côtés. On a pris un petit plaid. Je ne l'ai trouvé pas cher. 5 euros, toujours vert militaire. On adore cette couleur. Vert militaire, vert kaki. 5 euros. Small flow. Donc, c'est un 120 cm par 150 cm. Super soft. Et c'est vrai qu'il est super, super, super doux. On continue avec des swatchs partout là sur ma main. J'ai pris... j'ai craqué un petit sac façon piton. J'adore. J'en avais pas. Pas du tout. J'ai plein de sacs, mais pas de cela. Mon fils arrive et me dit encore un sac. Ouais, mais celui-là, j'ai pas. Donc, je l'ai payé 10 balles. Et franchement, là, pour même aller bosser, tu mets l'essentiel dedans, ton sac. Enfin, ton sac. Tu mets l'essentiel dedans. Je résume. Tu mets tes clés, tu mets tes papiers de voiture. Tu mets. Franchement, très sympa. Il y en avait un jaune moutarde, une fille qui le regardait. C'est vrai que le jaune moutarde aussi est très très beau. Là, pour l'automne, quand j'y retournerai, je prendrai le jaune moutarde s'il y a encore. Mais celui-ci, façon plutôt très sympa aussi. J'ai pris un petit top bretelles spaghetti, comme on appelle ça. Taille S, stretch, marron, 1,80 €. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment les basiques. Je suis en train de me refaire une garde-robe un peu basique. Là j'ai trié, j'ai donné plein de trucs à Emmaüs. Il me faut une garde-robe basique, quoi. Évidemment j'ai des trucs un peu foufou, mais voilà, de base c'est le basique. J'ai pris un petit lot de culottes pendant que Siam était en train d'essayer un de ses jeans. C'est marrant leur système d'essayage, tu rentres d'un côté, alors déjà t'as pas le droit d'aller avec lui, donc moi ça m'a fait chier parce que je voulais voir comment lui allait le jean. Et il ressort de l'autre côté, c'est interminable. Donc là il y a 3 mini, 4,50 taille S. Voilà, pareil, moi culotte en coton, hein. Je fais absolument aucune extravagance dans la lingerie parce que dès que je passe à de la lingerie un peu en soie ou machin, je fais des réactions allergiques. Donc, puis ça colle, et puis c'est désagréable, et puis voilà. On a pris une petite paire de, trois petites paires de chaussettes, un peu de basket quoi, taille en 11 ans et plus, donc c'est du 37-40, ça c'est avec pour Sean, trois paires. No Show, Active Primark, ça fait partie de leur collection sport, je sais pas du tout, et donc ça on l'a payé 3,50 €. J'ai pris pour moi Kill Bill, donc à 7 €, j'ai pris une taille XS, je l'ai essayé en plein milieu du rayon, je n'ai pas le courage d'aller à la cabine d'essayage. Donc je l'adore, avec Uma Thurman, film de Tarantino sorti en je sais pas combien. 2019 Miramax, non c'était pas sorti en 2019 et Miramax n'existe plus. Il est magnifique, je l'adore. Bon là je porte un Star Trek, mais voilà, Kill Bill. Mais j'étais quand même un peu déçue, parce que la dernière fois que j'y suis allée, il y avait quand même pas mal de trucs au niveau t-shirt, même pour filles. Il y avait toute une gamme Disney, j'avais acheté un Mickey, Philo, il y avait pas... Il n'y avait pas grand chose. Donc. Je vous mets sur le côté ce que j'ai acheté à Ikea, ce que je vous montrerai après. Ça fait du bruit. Ça bouge, je suis désolée. Et on passe au deuxième sac. Primark. J'ai pris, donc ça, c'est pour Siam. Vous connaissez notre amour pour Dragon Ball Z. Hein, donc 7 €. Donc autant vous dire que voilà. Il a pris, donc c'est une taille S, un petit Dragon Ball Z comme ceci, en bleu. À la base, il le voulait en corail. Parce que j'en ai pris un corail pour leur père. Donc lui, je lui ai pris en taille XL. Et je regrette parce qu'ils sont quand même un peu grands. Voilà. Siam le voulait en taille corail, mais en taille corail, il n'y avait plus de S. Et donc, 7 € le t-shirt. En plus, ce sont des licences, donc pas cher du tout. Donc, le fameux jean que Siam nous a essayé, je voulais être avec lui. 23 €, donc c'est un light blue de Nanko, je sais pas quoi. Donc, c'est une taille 30, je rappelle, pour vous les filles ou les gars. Pour connaître votre taille réelle en taille française, lorsque vous voyez... 30, 32, bah c'est simple, c'est 40. La weight, weight c'est la taille 40. Et la longueur, c'est 32, je suppose.
donc 76 cm, longueur 80 cm, mais là, ça, c'est une taille 40, et j'ai eu un peu peur quand je l'ai vu arriver, en fait, le jean, parce que c'est un jean, là, je vous montre, il y a des trous partout. Voilà, donc, en fait, je me suis proposé de lui acheter un jean de base et de lui faire moi-même les trous, hein, ce que je faisais quand j'étais ado, mais non, il l'a voulu comme ça, il est assez épais, quand même, hein. Bon, il m'a dit que ça lui allait, j'espère, donc là, en fait, j'ai juste à lui couper 15 cm de jean, parce que je n'ai pas très grand. Ça me fait de faire 1m63, quelque chose comme ça, parce que moi je fais 1m68 et je suis un peu plus grande que lui. Alors il dit ouais, je suis pas très grand, c'est pas grave. Alors Tom Cruise il fait 1m65, c'est une star mondiale. Son nom l'a pété. Que tu sois pas très grand. Hein, j'ai pris, alors ça va être pour ma nièce Lily, si tu regardes la vidéo, c'est pour toi. J'ai trouvé très sympa, donc c'est une bougie Stitch à la citronnelle et à la noix de coco qui sont très très bons. Et de base, elle était à 6 balles. Hein. Ouais, c'est ça, 6 balles. Et je l'ai eu à 1€. Donc voilà, ça t'attend à l'occasion si on se voit. Lily, c'est mes nièces. Pour celle qui me poserait la question, nièce, filleule, quatrième enfant, enfin, tout ce que vous voulez, je l'adore, c'est ma fille. J'ai pris pour Sean un autre jean militaire. Eh ouais, donc c'est un 9-10 ans, 145 cuff jogger, super soft. Et donc de Nanko, d'accord, c'est bon, là je sais, d'accord. J'ai acheté un jean à la Red Line Info, c'était écrit de Nanko, et donc de Nanko, c'est une marque de Primark. D'accord, donc 13 balles. Autant vous dire que franchement, pas très cher quoi. Il est sympa. Et ceux-là, il en avait déjà un que j'avais acheté l'année dernière. Ils durent longtemps. Ils sont confortables. Et Sean, c'est tout à fait le genre de fut qu'il aime bien. Il n'est pas très jean, il n'est pas très pantalon de ville. Lui, il est plus jogging. Donc ça, c'est un bon compromis. Entre les deux, on a quasiment fini. Je me suis pris un petit leggings. Là, je me dis pour la fin d'été, quand tu veux mettre une petite robe ou quelque chose, bah voilà, tu fous un leggings en dessous. Je me sens quand même beaucoup plus à l'aise. Donc 3,50€, c'est un black et c'est une taille 38. Voilà, je vais même pas regarder la taille ici, 38. Ouais, 38. Donc voilà, donc c'est un leggings qui est plutôt long. Donc ça, pas cher, basique. Enfin. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est un truc qu'on a pris, c'est un calendrier Lego qu'on a pris au magasin Lego Store. Je filme, j'attrape ce qui me reste. Donc c'est essentiellement du make-up et on commence, pourtant j'en ai des tonnes et je suis partie sans, c'est du gel antibactérien pour les mains. Pour les mains. Quand on est arrivé en fait, pour celles qui connaissent Oralie, donc il y a les toilettes, les machins, c'est payant et puis moi j'avais envie d'un café, donc on est allé faire un petit déj chez Paul, qui est hors de prix, chez qui je ne mettrai plus les pieds. Leurs toilettes, elles étaient dans un état, pourtant il n'était pas tard, hein. Enfin, ils allaient ouvrir quoi, il était 10h du matin et... tu veux pour te laver les mains, il n'y a pas de savon. Tu veux pour t'essuyer les mains, il n'y a pas de serviette. Donc j'ai dit, dès qu'on arrive à Primark, il faut que j'achète absolument du gel antibactérien. Donc la fille, elle est partie me les chercher parce qu'il les avait mis à l'arrière. Donc ils sont déballés 1,50€ les deux. J'en ai des tonnes, mais il fallait que j'en achète. J'ai pris un petit parfum Crush on You. J'ai trouvé le packaging très joli à 3,50€. Et de mémoire, il sentait bon. Parce que j'en ai ouvert un là-bas. Ah, le bazar, il est collé sur le... Attends, on va faire comme ça. Ouais, de mémoire, il sentait bon. Ça sent un parfum que je connais, hein. Forcément, ça doit être des dupes de grands parfums, mais ouais. J'ai trouvé ça trop mignon pour glisser dans un sac. J'ai trouvé, alors, le rayon make-up dégueulasse, comme la dernière fois que j'y suis allée, plein de palettes explosées, les tubes de concealer ouverts, les rouges à lèvres étalés partout. C'est mignon d'avoir un magasin d'une telle réputation et avoir un rayon make-up dans un tel état, c'est honteux. Hein, donc j'ai trouvé cette petite palette là à 3,50€, dès que c'est la PS Rich Jade, et j'ai beaucoup aimé les tons de vert. Donc elle n'était pas ouverte et je l'ai pris dans le fond. Hein, donc ça se présente comme ça. Petit ton de vert foncé, d'émeraude, avec un petit mélange de tons. Vous savez que vous avez... On ne voit pas avec la lumière de l'éclairage. Un petit taupe, un petit beige. Enfin franchement, je vais la tester. Je vais en faire... Est-ce que je vais arriver à enlever le petit... Non, il est fermé. Comment est-ce que tu t'ouvres, toi? Je vais réussir à l'ouvrir pour vous. Quelques couleurs. Nous avons changé de meuble cuisine, je crois que vous l'avez dit. C'est là, je le kiffe, il est trop beau. Sur le bon coin. Je passe ma vie sur le bon coin parce que c'est là où tu fais les meilleures affaires. Voilà. Donc là, je vais pouvoir hop, vous faire des petits swatchs. Celui-ci, il est sublime. Bon, moi, j'appuie pas comme une dingue, hein, comme vous le savez. Je suis pas fan de griffe. Hein. Celui-ci, je vais vous faire celui-ci, le vert kaki. Moi c'est pareil, le vert c'est des couleurs que j'aime beaucoup porter. J'aime bien, aujourd'hui j'ai fait un petit make-up, mais vous voyez que mon œil, j'aurais pas dû me maquiller autant en fait. Donc voilà, une petite palette, et il y avait deux autres inclinaisons, il y en avait une dans les tons de rose et une dans les tons de beige, ou je ne sais plus. J'ai pris un masque pour les cheveux.
Argan Oil à 1 €, masque pour cheveux, helps to smooth and moisturize for all type hair, donc pour tout type de cheveux, aide à adoucir les cheveux. Voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne. J'ai pris celui-ci, un Jelly Face Mask à 1,50 € notre coco. Alors les masques, c'est sympa, il va falloir que je commence vraiment, vraiment, vraiment. J'en fais un, hein, mais pas autant que je devrais, puis j'en ai plein, j'en ai qu'une plein. Masque de gel lavable à l'eau de coco fabriqué en Corée. On va tester. Et j'ai pris celui-ci, c'est pareil, il était en deux déclinaisons. Le Golden Galaxy, masque peel-off métallique au ginseng, la bergamote. Avec de la vitamine C pour tout type de peau fabriquée en Corée, 2 €. Voilà, c'était tout pour ce. Je regarde. Pour ce petit haul Primark, j'ai pris chez Ikea 2 petits verres comme ceci. En plus, ils sont très beaux. 1 € pièce, je crois que je les ai payés. Alors, moi, j'étais très étonnée du Ikea. Tu choisis ta marchandise, tu prends en photo. Enfin, moi, j'ai pris en photo les codes barres et tu descends en bas et puis tu les prends en bas juste avant les caisses. C'est sympa comme système. Ça évite de te balader dans tout le magasin avec des trucs et ça, c'est plutôt cool. Avec les Suédois pour faire ça. Donc, j'ai pris 2 petits verres comme ceci à 1 €. J'ai pris celui-ci. Flamingo, que je trouve très joli ce jus, pareil, j'ai dû le payer 1 €, 1,50 €. Très 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 sympa. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai pris des serviettes de cuisine, j'ai même pas ouvert pour voir à quoi elles ressemblaient les serviettes. C'est des 50 par 65, je les ai payées une misère, il faut que je remplace toutes mes serviettes Portugal parce qu'elles sont un petit peu vieilles. Donc, ça, c'est des serviettes basiques pour essuyer la vaisselle, ça va très bien. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4 petites serviettes. Pour finir, ouais, j'aurais pu vous prendre une photo du petit meuble en métal qu'on a acheté pour Sylvain. C'est un petit meuble en métal qui est grand comme ça sur pied bleu. Un peu, tu sais, comme les vestiaires que tu as, les vestiaires d'usine que tu ouvres. On l'a mis dans sa chambre. Et j'ai pris donc cette petite bouteille bleue en verre parce que nous buvons exclusivement que dans des bouteilles en verre. Nous n'utilisons pas de bouteilles en plastique. Voilà, c'était tout pour ce petit haul Primark. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit comme. N'hésitez pas à passer faire un petit tour sur ma boutique de bijoux. Je vous fais gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!